titre. C'est la 30e rencontre européenne pour Saint-Étienne, qui, je vous le rappelle, n'a perdu qu'une fois sur son terrain en 1970, 1-0 contre les Jeux de Varsovie. Cette année, Saint-Étienne a battu en 16e de finale Copenhague, les Glasgow Rangers, et a perdu au match aller contre Kiev sur le score de 2-0. Il faut dire que Saint-Étienne a connu déjà deux situations similaires. L'an dernier, battu à Split 4-1, il gagne au retour 5-1 après prolongation et se qualifie. En 1970, battu 2-0 à Munich par le Bayern, ils prennent leur revanche par le score de 3-0 et se qualifient aussi. Vous connaissez les données du problème. Si Saint-Étienne perd, s'il fait match nul, il est éliminé. S'il gagne 1-0, 2-0, 3-1, il est éliminé aussi. C'est le règlement de la Coupe d'Europe, puisqu'il faut marquer le plus de buts possible à l'extérieur. À 2-0 par contre, on jouerait les prolongations, éventuellement les pénalties. Saint-Étienne se qualifie s'il réussit un score de 3-0. Mais ne rêvons pas trop pour l'instant, malgré l'enthousiasme qui règne ici, il est très difficile effectivement de rester très calme. Il faut en tout cas, pour bien situer la question, que Kiev ne marque pas. Et la balle a sauté Battenet, qui était bien placé. Ah, la contre-attaque, allez, Blokhin. Janvier est obligé de l'accrocher et maintenant de le faucher. Il passe quand même, c'est très dangereux, c'est peut-être le but. Blokhin qui est tout seul devant Kurkovic, il veut dribbler. Ah, quelle erreur de Blokhin, qui avait Onichenko à sa gauche et qui, au lieu de tirer ou de donner la balle, a voulu dribbler Kurkovic. Eh bien, Stéphane Antichon, il contre-attaque aussitôt. Attention, c'est le but, oui. Eh oui, c'est le but. C'est le but de Piazza, je pense. Ah, c'est assez extraordinaire. Alors que Blokhin avait le but au bout du pied. Voyez l'action de Blokhin, qui a Onichenko à sa gauche, qui arrive tout seul. Au lieu de tirer, il veut dribbler. Il sait prendre la balle. Et sur la contre-attaque, grâce à ce ralenti, vous allez voir ce but marqué par Saint-Étienne. C'est du délire dans le stade. Voyez cette action. Tout de suite après un lob. Et c'est Piazza, oui, là-bas, qui arrive de la gauche et qui marque du gauche. Fantastique. Et bien après 20 minutes de jeu, il reste maintenant 25 minutes à jouer. Saint-Étienne mène 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Alors qu'Onichenko tire, mais Onichenko, l'arbitre laisse jouer l'arqué maintenant. Larqué. Devant pour Hervé Revelli. Hervé Revelli, coup franc. Coup franc. Contré par Eschko. Qui a serré le trop près et bousculé dans le dos. Hervé Revelli. À la limite de la surface. Vraiment à 1 mètre de la surface. Alors qu'on appelle le soigneur. Resco qui a été touché tout à l'heure d'ailleurs dans un choc avec Parison à la face. Voilà, c'est ça. Alors c'est seulement une conséquence du choc aérien qu'ont eu les deux hommes. Monsieur Gonella a fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Pratiquement qui s'accomplit à Saint-Étienne, en tout cas pour l'instant. Vous l'avez vu, un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique. Et Rudakov n'a rien pu sur cette affaire. Il y avait eu deux miracles à Saint-Étienne. Et il y en a maintenant, en tout cas momentanément, un troisième. Regardez l'action. Un tir extraordinaire alors que les soviétiques ont voulu s'écarter. Et Rudakov, malgré un très beau plongeon, n'a plus rien contre ce boulet de canon, un changement dans l'équipe soviétique. Damine rentre à la place de Reschko. Damine numéro 16 remplace Reschko. C'est absolument extraordinaire l'ambiance qui peut régner. 20 000 porte-voix, les drapeaux agités.
fout d'une région en délire. Et pourquoi pas la France entière devant ses récepteurs. Ce que l'on n'osait plus espérer, ce qui paraissait impossible, est en train peut-être de se réaliser. Et je dis peut-être, bien entendu, on dérange toujours nos enthousiasmes. Le football est ce qu'il est. Par 2 à 0. Comme Kiev avait gagné en URSS par 2 à 0, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rostand qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rostand. But de Rostand. Oh, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, Patrick Révelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute sa défense et a donné un retrait à Rostand qui a marqué. Et oui, Rostand qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but. Alors qu'il reste 7 minutes. Voyez, nous revenons cette action. Et notamment, Patrick Révelli qui réussit à dribbler. Premier coup, deux fois même. Un retrait pour Rostand. Voyez, Rostand qui du pas du pied. Rudakov est battu, 3 à 0 pour Saint-Étienne. Ah, il n'a plus que 7 minutes à jouer. 7 minutes qui vont paraître longues aux 40 000 spectateurs. Et à vous sans doute les spectateurs, car maintenant Saint-Étienne est qualifié pour les demi-finales. Bien entendu, si Saint-Étienne ne prend pas un but, il a gagné la Super Coupe européenne de Dynamo de Kiev. Ce sont les toutes dernières chances de l'équipe de Kiev. Lamine à l'attaque. Une balle de Batner pour Gurkovic. Les joueurs stéphanois pensent que l'arbitre a sifflé. Ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est fait sur ce coup de sifflet de M. Gonella. C'est une des plus grandes victoires du football français. C'est une des plus grandes victoires de la AS Saint-Étienne, qui est actuellement le flambeau de ce football. Avec, ne l'oublions pas quand même, la plupart des joueurs sortis par le club et ont débuté au club. C'est un grand moment du sport que vous avez vécu ce soir en notre compagnie. Jamais nous ne pensions que cette dramatique connaîtrait un dénouement aussi heureux. Eh bien, c'était le cas. Rappelons qu'ici, au stade Geoffroy Guichard, devant 30 000 spectateurs, enthousiaste, est-il besoin de le dire, l'équipe de la Saint-Étienne bat l'équipe de Kiev par 3-0. Et se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Voilà, sur ces images d'enthousiasme, je vous dis bonsoir. C'est un reportage de Jean Reynal et Pierre Cangioni. Des images de Pierre Badel. Ici Geoffroy Guichard, à vous les studios.